C'est la différence entre pas chasser et pas laisser. Pas chasser, je suis ici, ma jambe arrière va chasser la jambe avant. Enfin, j'image, hein, je fais une image. Mais c'est, en gros, c'est ici, boum, je vais chercher. Là, ça m'autorise un déplacement beaucoup plus loin. Je suis ici, boum, je vais chercher. Et encore, là, je ne suis pas fan parce que je croise mon déplacement. Normalement, c'est 1. Elle vient vraiment chasser. Là, ce qu'il vous est demandé, c'est un pas glissé. C'est-à-dire que si vous ne savez pas le faire, vous levez la jambe ici et hop, vous allez chercher. Donc, un pas glissé, en termes de distance, ça ne vous autorise pas la même distance qu'un pas chassé. C'est quelque chose de plus court. Par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, quand on est ici, pris sur les saisies à deux mains, par exemple, en crabe, ou hop, on va aller chercher le petit pas glissé parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire un grand déplacement, on n'a pas forcément la place. Ça, en gros, un petit pas, c'est ici. Et même là, c'est à peu près. Et ici, par contre, c'est trop loin. Si je vais chercher, il vaut mieux boum, que je raccourcisse un petit peu mon coup de pied boum, et que j'aille chercher ici. Donc faites-moi bien un pas glissé. Je suis ici, alors je me remets comme si j'étais au milieu. C'est 1, 2, 3, je reviens. Allez, c'est parti, go!